J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous montrer mon December Daily qui est enfin terminé. Donc je vais juste vous feuilleter le truc rapidement pour que vous donniez un petit aperçu. En attendant les prochaines vidéos création, j'espère. Et voilà. Donc voilà, c'est tout. C'est juste ça. Donc écoutez, je vous laisse avec la vidéo. Je l'ai déjà filmée, je l'ai filmée hier soir. Donc comme ça, tout est prêt. J'ai plus qu'à assembler le tout. Et c'est fait. Donc je vous laisse avec la vidéo et je reviens vous faire un petit coucou après, comme d'habitude. Bon, donc voilà, mon December Daily, il est terminé. Donc il est simple, hein, mais bon, vous avez pu voir. Alors là, j'ai fait la couverture, le dashboard, on va dire. Donc voilà, j'ai mis des rubans de Mintopia, je crois que c'était Noël. Ça vient de Rita Rita. C'est, comment dire, Allo Acide. La 2020, ça vient de la collection que j'ai utilisée tout du long. Je crois que c'est Mintopia ou Laura by Laura, je sais plus. Non, c'est Laura by Laura. Donc, je vous remontre tout depuis le début. Donc là, je vous dis, j'ai un acétate plus une feuille derrière que j'ai liée avec des lacets, des rubans qui venaient dans le pack de Mintopia, je crois, Muerdago. Muerdago, ça fait bizarre de le dire sans l'accent. Enfin bref. Donc voilà, donc là on a le premier, donc vous aviez vu avec le petit sapin pour le journaling, la petite photo de ma déco de sapin, le 2, après voilà je vous montre rapidement puisque vous aviez vu plus ou moins la réalisation de certaines pages du moins. Bon, vous savez bien que Casse-Noisette c'est mon amoureux de ouf, j'aime... Je suis en amour pour ce personnage, je l'aime beaucoup, autant dans le dessin animé que dans le conte, que dans... Enfin bref, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est un coup de foudre, ça ne s'explique pas. Et cette page, je l'aime bien. Je l'aime bien cette page aussi. Les couleurs sont sympas, j'aime bien. Est-ce que vous... Oui, vous voyez bien. Donc voilà, le 4, on ne voit pas très bien. Mais c'est un 4, il est là le 4. Voilà, les numéros sont sur chaque double page, normalement. Il y a des exceptions, mais en général, chaque double page, ça correspond à un jour. Là, vous voyez, j'ai pas de photo, mais c'est pas grave. Je l'ai décoré. Le 5. Le 6, c'est mon Nookie. Le 7, c'est une photo que j'ai. Enfin, c'est moi en version manga en fait. Le 8, ce fameux feu de cheminée YouTube qui est vraiment excellent. Excellent ce truc, je trouve super. Le 9, petit passage à action. Ah, il m'en faut vraiment peu hein, pour me rendre heureuse. Hein. Donc là, je l'ai fait sous le format Project Life, vous voyez, avec les pochettes. Le 10. Le 10. Le 11. Le 12. Très simple. Je lisais le journaling. Vous voyez, c'est sympa parce que ça vous rappelle les jours. C'est des souvenirs. Ce sont des souvenirs vraiment. Le 13, le 14. Vous voyez, là j'ai pris une page pour le 13, une page pour le 14. Le 15. Avec le petit tanche du prénom de mon papa. Là j'ai un acétate et j'ai ça derrière. Donc ça va plus ou moins ensemble. C'est pour ça que je les tourne ensemble. Le chat bosseur, donc le 17, le 16, pardon, et le 17, pareil, format Project Life, le 18, là, le week-end du 19 et du 20, ensuite le 21, le 22, petite journée avec ma paillette carreau.
Ça, c'était dans le sein de cadeau qu'elle m'avait fait. Donc, je le laisse ici. L'étiquette, hein, tout simplement. Donc, voilà, le 22. Le 23, c'était frites et œufs au plat. Et œufs au plat. J'avais une envie. Et ben, je l'ai faite, tout simplement. Pas compliqué. Donc, là, on a le journaling du 23. Donc, j'ai mis une feuille de vellum. Et j'ai collé par-dessus le papier. Cette petite feuille en fait là j'ai mis ça pour cacher l'arrière de la feuille parce qu'on voyait ça faisait pas très joli. Et de toute façon c'est le 24, donc c'est Noël. Donc le 24 c'est là et là, et là c'est le 25. Voilà, je termine avec le 25 avec mon Nookie. Là vous voyez j'ai fait aussi sur le format Project Life, j'ai mis un, vous voyez, une déco de un die-cut Père Noël en vellum. Du coup, c'est transparent. Je trouve que ça rend super bien parce qu'on le voit à peine. Enfin, c'est sympa comme principe, le vellum en die-cut. Donc ensuite, du journaling, la photo de mes cadeaux et Nookie pour le 25 pour terminer. Et donc oui, je me suis arrêtée au 25 finalement parce que j'avais pas envie de faire la suite. J'avais pas forcément de photos pour la suite et puis j'avais pas envie, tout simplement. Donc voilà pour mon December Daily. Vous avez vu, vous l'avez voulu, vous l'avez eu. Vous voulez voir en fait le December Daily terminé. Et de toute façon, je vous avais dit que je vous montrerai. Donc voilà. Après, il est tout simple. Je voulais faire une pampille, mais alors on m'avait dit qu'il y avait une attache, mais il n'y a pas d'attache ici. Donc du coup, je vais peut-être percer un trou, je verrai. Et en ce qui concerne les pampilles, tout ça d'album, les bijoux d'album, je vous ferai une vidéo dessus parce que je suis en train de tout rassembler mon matériel, de tout bien trier pour pouvoir faire de jolis bijoux d'album. Parce que j'adore ça. Voilà. Voilà donc mes paillettes, je vous ai montré mon Daily December ou December Daily ou journal de décembre tout simplement. Alors moi je l'ai appelé, enfin non je l'ai pas appelé, mais j'ai mis en titre Noël 2020 puisque je serais vraiment restée jusque Noël, après j'ai arrêté. J'avais pas envie d'aller plus loin et c'est vrai que bon bah je me suis un peu lassée de faire ça, j'avais envie de changer. Donc je l'ai fini, maintenant je vais passer à autre chose, j'espère bientôt d'autres créations. En tout cas c'est tout ce que je souhaite à la chaîne Le Monde de Maggie. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes, nouvelles paillettes qui nous ont rejoints. Et bah sur ce, je vais vous laisser là, parce qu'en même temps, je bosse. Donc avant que ça sonne, je vais raccrocher. Je vais quitter le... Oh, bref, vous avez bien compris. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très très vite. Et surtout, je vous dis que je vous kiffe. Ciao, ciao!